Aujourd'hui, en lecture, extrait du livre de Madeleine Picard, Ses magnifiques inconnus, Tranche de vie de nos aînés, je vous raconte l'histoire de Franck. Franck, PME. Les trois lettres PME nous sont familières, petite et moyenne entreprise. PME, beaucoup moins. Essayons de deviner. Petit, moyen, énorme ou pomme, mangue, épinard? Rien de tout cela. Franck est un père des missions étrangères et réside à la maison mère de sa communauté à Laval. Cette imposante bâtisse située aux abords de la rivière des Prairies est à l'image des années prestigieuses que la Société des missions étrangères du Québec, SME, a connues. Fondée en 1921 par les évêques de l'Église du Canada francophone pour évangéliser toutes les nations, cette société est devenue internationale en 1997 et s'est implantée en Amérique latine, en Afrique, en Asie et au Canada. Aujourd'hui, elle abrite les pères retraités. Franck est l'un d'eux. Et avant de décrire l'homme, on va s'attarder au lieu. Les murs parlent. L'immeuble de pierre au style imposant invite au recueillement tout en suscitant une certaine appréhension. Nous sommes plusieurs Québécois à porter les marques d'une église contraignante. Et l'approche d'un lieu pareil peut rappeler cette période. Mais laissons tout cela à l'extérieur et entrons découvrir les âmes qui y vivent. C'est une ambiance d'un autre siècle. Ici, on parle à voix basse, déambule à pas feutrés. Puis le regard se pose sur les magnifiques fougères qui se déploient avec grâce devant les photos des finissants des dernières décennies. Ces jeunes hommes doivent avoir une allure bien différente aujourd'hui. Une dame attentionnée nous invite à passer au parloir, la pièce destinée à recevoir des visiteurs. Nous voilà entourés de portes en bois massif, meubles anciens et fenêtres à carreaux qui ont vu défiler des familles endimanchées venues rencontrer un fils, un frère ou un oncle. Un homme entre d'un pas affairé dans ce décor d'un autre monde. C'est Franck. Le dos bien droit, le corps élancé, il s'avance vers nous. Les présentations sont brèves puisqu'il annonce d'entrée de jeu qu'il a 30 minutes, pas plus, à consacrer à cet entretien. Ne perdons pas un millième de seconde. Des projets d'avenir et un appel. Né en 1937 dans la section pauvre du quartier Notre-Dame-de-Grâce, à trois rues du boulevard des Caries, Franck est l'aîné et le seul garçon d'une famille de trois enfants. Sa mère, femme au foyer, est originaire de la Gaspésie et parle anglais à la maison. Tandis que son père est francophone, ce qui rend Franck bilingue dès son jeune âge. Avec fierté, il mentionne que son père était policier. Dans les années 1930, c'est un métier peu rémunéré, toutefois assuré d'une pension de retraite. Comme les parents n'ont pas les moyens d'acheter une automobile, les dimanches sont propices aux longues marches dans les quartiers environnants. Les yeux de Franck s'illuminent à l'évocation de ce souvenir. Il aimait partager ses moments avec son père, car les occasions d'être ensemble étaient rares. L'une de ses promenades les mène dans Westmount. En voyant les grandes maisons de ce quartier chic, Franck se dit « Quand je serai grand, je resterai ici et je serai riche. J'habiterai une de ces belles maisons avec une belle femme et serai professionnel. » Pour réaliser ses rêves, il imagine une profession bien rémunérée. Météorologue, vétérinaire ou agriculteur. Notre imagination à nous aussi est ébranlée. Un religieux qui rêvait de richesse. Sa scolarité se déroule normalement. À la fin de ses études classiques, le directeur lui demande « As-tu déjà pensé devenir prêtre ?» Un nom jaillit spontanément de sa bouche et Franck est même fâché qu'une telle question lui soit posée. Pourtant, il finit par changer d'avis. Après de longues tergiversations intérieures, je dis oui. Je viens d'une famille pratiquante et convaincue. Bien que mes parents n'aient jamais fait pression, ils m'ont dit qu'ils avaient toujours prié pour que ça arrive. Franck arrête son récit,
porte son regard au loin et confie avoir été préoccupé d'être l'unique fils. Pourquoi? La prêtrise allait mettre fin à la lignée. Après réflexion, il en vient à cette conclusion. Un bélec de plus ou de moins, ça fait pas grande différence. Il suit la formation, le destinant à la prêtrise, tout en sachant qu'une fois qu'elle sera terminée, une paroisse lui sera destinée. Une chose le tracasse. Il veut une bonne paroisse. Ce qui veut dire avec de l'argent pour accomplir, construire. Est-ce la visite des quartiers huppés de son enfance qui l'influence dans son désir? Au cours de sa formation, un père de la SME présente la mission de sa communauté. Franck se sent appelé à devenir missionnaire et un débat intérieur s'ensuit. Il choisit finalement cette voie, ce qui implique de changer de séminaire, de déménager à Laval et d'être affecté à Québec la dernière année de ses études. Des changements, il en connaîtra plusieurs. M pour mission. À 23 ans, Franck est envoyé en Colombie pour apprendre l'espagnol et se familiariser avec la culture sud-américaine. Un an plus tard, on lui assigne une mission au Chili, à Tomeco, une ville située à 670 km de Santiago. Jumelé à un autre prêtre, il y fait la rencontre des Mapuches, des indigènes considérés par le reste du Chili comme étant une sous-culture des Premières Nations. C'est le coup de foudre. Il ressent un élan irrésistible pour ce peuple vivant en harmonie avec la nature, avec son environnement. Franck demeure 2 ans auprès de cette communauté et sera déplacé ensuite à Santiago pour 2 autres années. Après ses 4 ans au Chili, la SME l'envoie à Rome pour étudier en missiologie, dans le but d'enseigner cette spécialisation à son retour au Québec. Il semble que ce n'est pas une option pour lui, mais Franck ne dit mot sur ce sujet. Il maîtrise déjà le français, l'anglais, l'espagnol, le mapuche et se met à l'italien. Il découvre la bibliothèque de Rome qui contient une multitude de livres sur les mapuches. Il lit tout ce qui est disponible sur ce sujet et passe des milliers d'heures à se familiariser avec cette culture qui le passionne. Grâce à ses lectures, il perfectionne aussi son italien au point de se voir confier un ministère dans une paroisse italienne. Ces 2 ans en Italie me permettent d'apprendre l'italien et m'aident à parler un meilleur espagnol, parce que ce sont les mêmes racines, la même façon de parler et, de plus, la prononciation est la même. De retour au séminaire à Laval, il devait enseigner la missiologie. Mais le Québec connaît beaucoup de changements sociopolitiques en ses débuts d'année 1970. Et les étudiants en théologie et en missiologie reçoivent maintenant leur formation à l'Université de Montréal. Franck se retrouve donc au chômage. Pendant 2 ans, il a l'impression de perdre son temps. Mais pas tout à fait. Il lit tout ce qui est écrit sur les Premières Nations, anthropologie, ethnographie, histoire. Toutes ces connaissances lui permettent de mieux comprendre les Mapuches qu'il a tant aimé côtoyer. Les autorités ont prévu qu'il reste au Québec durant 4 ans. Après 2 ans, ne se sentant guère utile, il demande à retourner au Chili et l'autorisation lui est accordée. Ému, Franck explique que, jusque-là, il n'avait pas eu un mot à dire sur les destinations de ses missions. C'est la première fois qu'il osait exprimer son désir ardent de retourner en sol chilien. Les 30 minutes sont écoulées. Franck regarde sa montre et on comprend que l'entretien s'achève. Il rappelle que ses activités l'attendent et propose de poursuivre la semaine suivante à la même heure. Ouf! Le climat de confiance est établi et c'est un homme tendre, ouvert et au cœur vaillant que l'on retrouve le jeudi suivant. Au service des Mapuches. De retour au Chili, Franck croise un prêtre qui connaît son intérêt pour les Mapuches. Un arrangement entre les autorités ecclésiastiques permet à ces 2 religieux de travailler en équipe et d'habiter dans le même village que les Mapuches.
Franck découvre, à l'intérieur du diocèse de Témiscou, un institut qui offre aux jeunes filles des études primaires d'une durée de 2 à 3 ans. Avec son collègue, ils réussissent à leur donner accès à des études secondaires. Le programme se calque sur celui des écoles ménagères offertes au Québec dans les années 1960. Couture, cuisine, tissage sont enseignés. Une grande insistance est mise sur la transmission de la culture mapuche. Et ça, c'est l'œuvre de Franck, fidèle à sa volonté de perpétuer la mémoire de ce peuple. Il obtient ainsi la mise sur pied des écoles secondaires pour les jeunes garçons. Dans ce pays où ils sont considérés comme des personnes de seconde zone, ces jeunes mapuches ont appris à se gérer eux-mêmes, à développer une fierté et une autonomie. Franck souligne qu'aujourd'hui, les leaders de cette communauté sont heureux d'avoir sauvegardé leur histoire et leurs valeurs. Peu de ces chefs ont en mémoire l'implication des pères des missions étrangères. Quelques regrets que son travail acharné ne soit pas reconnu? Si tel est le cas, Franck n'en laisse rien paraître. Comme il avait à cœur de protéger l'épanouissement de la population mapuche, Franck a permis à ce peuple de ne pas s'écraser devant l'envahissement de la culture dominante, de conserver l'essence de ses valeurs et de préserver l'héritage reçu de ses ancêtres. Avec l'arrivée au pouvoir de Pinochet en 1973, son travail change. Il quitte cette population pour une autre région et sera assigné auprès des travailleurs saisonniers jusqu'au début des années 2000. Il vit à Laval depuis ce temps et déplore que l'Église catholique n'ait plus de contact avec les Mapuches. C'est la fin d'un grand amour? Peut-être pas. Un précurseur. Je n'ai jamais été très mystique, ni avant ni après. La vie m'a guidée pour faire ce travail. C'est ça que j'ai essayé de faire de mon mieux. On n'avait pas de préparation psychologique, sociologique. On cherchait au fur et à mesure à capter l'ambiance. Voyager, vivre l'exotisme, ce n'était pas dans mes motivations. Franck se dit reconnaissant de ses contacts avec le monde des Premières Nations. Je suis heureux d'avoir connu la richesse de ce qu'ils vivent culturellement et même religieusement. Je me suis rendu compte que ce qu'ils vivaient n'était pas vraiment loin que ce que, comme catholique, on prétendait faire avec eux. Aujourd'hui, ma façon de vivre comme catholique est grandement due au fait d'avoir été exposée à eux. Alors qu'on parle tant d'intégration, d'ouverture à l'autre, Franck a fait cette expérience bien avant nous. Il cite ce proverbe « Si jeunesse savait et si vieillesse pouvait ». Il apprécie son vécu avec ce peuple si inspirant. « Cela a modifié ma façon d'envisager ce que je suis aujourd'hui, la substance de ma spiritualité. » Les valeurs comme la fraternité, le partage, je les ai vécues auprès d'eux. Le plus beau compliment qu'il dit avoir entendu d'un Mapuche est celui-ci. Vous autres, les missionnaires, vous êtes les seuls qui nous ont pris au sérieux. On ne peut qu'être ému devant cet homme qui a consacré sa vie à un peuple ignoré et opprimé. Il a intégré dans son cœur et dans sa pratique religieuse les valeurs de ce peuple qui paraissaient différentes et étaient pourtant si proches, intérieurement et humainement. En toute humilité, Franck continue aujourd'hui à servir sa communauté, exécutant des travaux manuels. Le cœur toujours habité par les Mapuches. Et le nôtre désormais. Mission accomplie. Bonjour Madame Picard. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à notre lecture d'aujourd'hui? Ah, Franck! Franck, c'est un frère mariste, retraité. Alors, je l'ai rencontré dans la... C'est une résidence à Laval, où sont les retraités des frères maristes. Donc, et d'entrée de jeu, j'ai senti qu'il n'était pas tellement favorable à me raconter sa vie. Il dit, moi, vous savez, j'ai une demi-heure à vous consacrer. Alors, une demi-heure pour raconter sa vie, c'est un peu court.
Donc, mais quand il a commencé à parler, donc, il venait d'une famille de Notre-Dame-de-Grâce, et lui, ce qu'il voulait quand il était petit, c'était qu'il voulait être riche et avoir une femme et des enfants. Donc, c'était pas l'image qu'on a d'un frère. Hein? Donc, et peu à peu, lui, il s'est passionné pour... il a fait son séminaire, il est allé à Québec, il est revenu à Montréal. Et finalement, on l'a envoyé en mission et il a découvert les Mapuches. Alors, là, lui, il est tombé en amour avec ces aborigènes-là. Et donc, il a vécu à l'étranger et c'est un homme qui avait, en toute modestie, parce qu'il ne voulait pas le dire, mais moi, je lui ai fait avouer qu'il avait vraiment un talent pour les langues. Il a appris l'anglais, il savait, mais il a appris l'espagnol, l'italien. Lui, quand il lisait une langue, ça venait tout seul. Donc, c'est un homme qui... c'est un grand passionné, au fait. Alors, c'est pas l'image qu'on peut avoir des frères qui sont en adoration et tout ça. Et lui... il s'est servi de sa proximité avec les Mapuches pour renforcer sa foi, parce que lui, il disait que c'était beaucoup incarné dans leur quotidien. Et finalement, lui, il dit, moi, j'étais pas du tout mystique. Donc, ça aussi, c'est un autre révélateur, tu sais, de quelqu'un très humblement, il dit sa vérité, j'étais pas mystique, mais la vie m'a amené là. Et finalement, c'est un profond mystique. Donc, c'est un homme qui vieillit très bien. De Nicole Garneau, extrait du bouquin Musique de mots, voici les vagues. Les vagues de la mer se heurtent à grand fracas sur la terre. Troupeau de mer, troupeau de moutons blancs, écume de mer serrée en rang, gonflée par les vents, bouillonnante de vie, puissante aussi de deuil, d'une source projetée contre les rochers, elles éclatent en mille étincelles, pour atteindre, semble-t-il, le ciel, pour ensuite retomber, rassasiées, nourries d'éternité. Voici Accordéon de Suzanne Maurice, issue du recueil de poésie Transformation. Le sanglot des rivières passe inaperçu, elles semblent rugir. Là où la gorge escarpée est profonde, mais elles pleurent en silence sur les plaines dont elles assouvissent les soifs. Dans le flot de leur rage qui étreigne leur peine, dans le resserrement des torrents qui semblent les faire chanter et purir, jaune et embrunie de la terre qu'elles broient, en glissant avec force dans leur lit. Elles savent aussi faire teinter les rochers qui s'accrochent à elles et s'épuisent à vouloir les retenir, à jamais brodés par leurs eaux. Dans les veines de jet, elles coulent, ironisant au passage sur nos innombrables existences, contentées par leur fin d'estuaire, où elles vont se perdre, avalées par l'océan du samsara. En aucun cas, il faut consoler les rivières. Je t'ai connue de loin dans la demeure tienne, tu te tenais lanterne, brillante pour nos trous noirs, cœur géode, papillon comme tous les autres, je me suis bêtement brûlée. J'étais tant d'ombre à l'époque, tout mon feu était pour toi. On m'avait appris à le tendre, entière donnée tout de soi. J'ai tout laissé à tes pieds. En te quittant si dénudée, à l'ombre je suis retournée, j'ai attendu que la lumière perce enfin de moi les murs et que je voie s'épandre de grâce ce pays si vaste de moi. Conduite en son centre, cherchant pied assise, une terre forte fortifiée, rapanouie au bout de l'exil-océan. Non, je ne t'ai pas oublié, comment le pourrais-je? Tu t'es émissé en mon sein, comme tous les autres dragons adressés. Je n'ai pas retrouvé le bouton qui ferme les deux pans, celui qui attache et qui lie, convaincu de connivence. Il est tombé quelque part entre moi et l'autre. Aucune de nous deux n'a su le retrouver. A-t-on bien cherché? Le grand manteau s'est ouvert sur les cages au cœur nu. Il y fait froid et il y fait cru.
Dans la lumière ahurie, un fil ténu s'est enfui. De mon cœur qui bat, au tien en flore des azènes, mes bras enlacent ton écailleuse carrure. Dans ton centre annelé et ton impassible essence coule un rhum en fleuve. Tressaillant, quasi imperceptible, il se forge au milieu de soi le dictat de ta présence. Fine comme l'aube qui s'annonce, immense, sensible et si bonne que cessent tous les vacarmes. Et je resserre mon étreinte à l'écoute du moindre mot pouvant surgir de toi. Et des effluves de sens s'enroulent autour de moi, comme de douces flammes, tant ton silence est grand. Mes pieds s'enracinent dans les tiens filandreux, et je m'élève plongé dans ta quiète, les hommes font tant de bruit pour se dire qu'ils existent. Toi, tu fais de la vie un murmure. Il y en a tant, tant de bruit, qu'on ne sait comment y parvenir. Entendu depuis on ne sait où, car il n'y a pas prélude à l'éternité. Tous ces sons bruts ont bâti le monde et le défont si aisément en temps voulu. Parvenu là où il n'y a plus de but, à l'échéance planifiée d'un itinéraire, tout n'est que constant voyage dans les cités qui ont existé. L'on ne connaît rien à la charge des pays qui n'existent encore pas, dont les pressentis se dessinent jusqu'au bout de la fugace émergence de ces désirs à peine nommés et qui s'infiltrent à misère sous les tricots les mains filées. Bien avant la peau frémie que ne se forme claire la pensée, le tambour du ventre a déjà résonné. J'aimerais bien que tu me montres comment ta main s'est gantée de toutes les apparences que tu cherches à cliver. Le temps, belle figure, plisse sa jupe d'espace et trace en nous des quartiers. Tu te sais ici quand là-bas est ton âme. L'âne est bien malmené. Il veut que tu lui racontes avant de se dépenser. Il veut ressentir les mondes que ta folle peut créer. S'il y croit, il y vole, plus rien ne le retient à son prix. Toi, tu cours derrière lui. Je ne cours plus après le temps, car il me rattrape. Je ne cours plus avec lui non plus, il court trop vite. Je cherche la mi-temps, le temps d'arrêt, celui qui pense. Il y a l'instant du paradoxe, heurtant toutes nos idées préconçues, celui qui casse toute illusion et nous fait offrande de lucidité. Il y aura eu tous ces rêves, qu'un à un j'aurais vu périr, en valsant heureux jusqu'au gouffre, qui en appelle loin de moi le souffle, l'air. Ce n'est pas qu'il y ait des regrets, ni même qu'il y ait eu souffrance. Les rivières ne sont pas substances à attarder leurs eaux vives, elles déversent vers la mer lorsque leur lit se défait. Elles sont duelles, elles sont sages, elles savent que pleurs et délires coulent dans leur long drap blanc, et conversant, il y a des rires. Au ruissellement fidèle, mes eaux ouaillent de leurs eaux. Cette émission d'accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.